Bonjour à tous. Bonsoir. Bonne année. C'est bon. Parfait. Bonjour. Je m'appelle Daiki Niwa. Je suis à Chanté de Bu Hakontore. Dis-nous, tu vas gagner contre quand? Vous allez gagner contre quand? Oui, oui, bien sûr. J'espère. 3 points. J'ai essayé maximum. Merci. Merci. Tu es arrivé quand? Hier? 24. Non. 24. Le 24? Ouais. Hey, chaque année, le français, de mieux en mieux. Hein. Eh ben, un petit peu mieux. Parce que ça fait 3 ans maintenant, attends. C'est 2 ans. Non, 2 ans, c'est... Ok, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que... Tu prends des cours là-bas ou t'as pas le temps? Ouais. Tous les matins? Non, c'est... Seulement... Mardi. Ouais, mardi, jeudi. Jeudi. Ouais. 2 semaines, non. 2 fois. 2 fois par semaine. Ouais. Hey, mais le vocabulaire du foot, tu dois connaître encore mieux que moi, non? Moi, je me souviens plus. C'était quand j'étais petit. Tous les trucs. Mais surtout que ton entraîneur, il, quand il parle, c'est assez clair. Hein, il a pas trop d'accent et tout. Je trouve que on comprend. Coach Poku, coach, c'est très très vite à parler. Ouais. C'est moi, je comprends, mais après, c'est compliqué. Quand tu dois remettre ça. Mais quand tu donnes les consignes, quand tu dis aux joueurs derrière, ou tout ça, de toute façon, tu fais en français. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. Saki Kumahai, après une belle saison avec Lyon, vous jouez avec le Japon 2 matchs amicaux. Comment tout s'est passé aux Pays-Bas et en Belgique? Ouais, on a gagné le premier match contre Pays-Bas. Oui, on a pu maîtriser le match. Et aussi, on a bien joué ce premier match. Mais deuxième match, c'était. On a eu le ballon, mais on n'a pas marqué. On n'a pas pu marquer. Mais donc finalement, c'est 1-1. C'est match nul, mais. On peut gagner, bien sûr. Et aussi, on doit gagner le match. La Belgique vous a surpris? Comment, Belgique? La Belgique vous a surpris? Est-ce qu'ils ont été meilleurs que vous pensez? Ah, mais oui, Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Comment ça, après une belle saison avec Lyon, vous avez tout gagné, enchaîné avec des matchs amicaux, c'est différent? Bien sûr, c'est vraiment différent. Ouais. Le foot de Lyon. Et du Japon, c'est oui, vraiment différent, mais bien sûr, il faut jouer avec le Japon. Et aussi, je suis japonaise. Donc, et aussi, je suis très heureuse d'être avec sélection, bien sûr. Donc, ouais, c'est vraiment différent, mais. Ouais. Mais je peux changer. Ouais. Dans tête, tout, tu peux changer. Oui. Le prochain objectif pour le Japon, c'est la Coupe du Monde 2019 en France, à Lyon. Ouais. Oui, mais oui, bien sûr, on veut jouer au final à Lyon, au Grand Stade. Ouais. Bien sûr, et aussi c'est. Mais bien sûr, il faut qualifier. Et l'année prochaine, il y a la Coupe d'Asie. Donc, oui, on doit progresser jusqu'à la qualification de Coupe d'Asie. Et maintenant, un peu de congé, un peu de vacances? Ouais, ouais. Ça y est, c'est fini. Donc, pour moi, c'est très longue saison. Donc,
À la saison prochaine alors. Ouais, oui, c'est vrai. À la saison prochaine. Okay. C'est ça. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Rester en Europe, c'était ma priorité. Mais bon, aussi pour ma famille, parce que aujourd'hui, Metz, Strasbourg, c'est pas loin. Et la famille comme nous, loin de la pays, c'est pas facile. Donc, c'est bien pour ma famille, pour adapter, c'est très bien. C'est moi qui numéro 3, numéro 2, numéro 1. C'est le groupe qui est important. Donc, c'est objectif de groupe. Je pense que on va faire le mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Je veux juste apporter bonne compétition dans le groupe, aussi bonne ambiance. Et voilà, pour moi, c'est numéro, c'est je ne m'adresse pas. Aussi, je connais Mats, quand on a joué avec à l'IRS. Donc, on peut bien travailler. Quand j'ai eu du contact la première fois de Strasbourg, moi, déjà m'intéressé. Parce que quand j'ai joué ici à Strasbourg saison dernière, j'ai très bien aimé l'ambiance de ce stade. Et aussi, j'ai déjà visité la ville de Strasbourg avec ma famille quelques fois. Donc, moi, j'ai pensé déjà, ça c'est bon choix pour moi et pour ma famille. Ben voilà, je me sens bien aujourd'hui, même comme 20 ans. Et moi, j'ai envie de jouer encore aussi pour la sélection, parce que jouer pour la sélection, c'est un rêve pour toutes les joueurs, jouer pour le pays. Donc pour moi, toujours, c'est un rêve. Donc si il a besoin de moi, moi je suis là. Le foot, c'est passion pour moi. Donc voilà, peut-être il y aura un jour de termine, mais ce n'est pas aujourd'hui.